Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens pour un nouveau vlog. On est jeudi, ouais. Férié. Jeudi 25. Un gros week-end sa mère. Dehors, température ressentie 28 degrés. Il fait très très chaud, mais c'est très agréable. Aujourd'hui, on va aller à Ikea parce que j'ai besoin d'acheter des trucs. Apparemment, c'est ouvert aujourd'hui, c'est férié, mais c'est ouvert. Je vais y aller avec Amélie du coup et Gaëtan qui va nous accompagner. Amandine, elle est pas là. Là, j'ai fermé les stores, donc c'est pour ça que c'est un peu sombre. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis sur les lèvres, bah, j'ai mis un produit que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente que j'ai posté aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est le 22 et il est trop trop beau. Il faut que je prenne une autre batterie. Une batterie est chargée, donc on va mettre ça dans mon sac. On va préparer le sac et tout, et puis on va partir. Bon, j'ai mis un t-shirt XXL parce que c'est vrai qu'il fait chaud et j'ai pas de vêtements d'été, genre c'est trop chiant. Je comprends pas. J'ai pris mes lunettes de soleil qui sont pareilles comme d'habitude, j'en ai plein mais j'ai la flemme. Mes lunettes 3D que je vais enlever parce que hier soir je suis allée voir Pirates des Caraïbes et il était trop bien. Amélie l'a pas vu, elle avait l'occasion de pouvoir voir Johnny Depp et elle est pas allée. Bravo. J'ai même pas de chaussures d'été, c'est abusé. Je suis obligée de mettre des chaussettes. Petite tenue du jour, désolée mes jambes toutes blanches parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas bronzé. J'ai mis un t-shirt XXL H&M, mes chaussures, j'ai pas de chaussures d'été, du coup un peu malaise. Moi vous la voyez tout le temps cette tenue. J'avais les mêmes chaussures qu'Amélie mais j'avais la flemme de les mettre, enfin c'est trop compliqué du coup, voilà. Une robe de chez Forever 21. Oui mais elle date trop cette... Mais on dirait t'as pas besoin de la repasser, genre c'est trop bien. Et des spartiates de chez Naked et un sac de chez Marc Jacobs que j'ai volé à la street. Yes. On est dans la voiture, Gaëtan est venu nous chercher. C'est super chaud. Là c'est trop bien la perche. Oh gosh. Et direction Villiers-sur-Marne. Voilà la plage. Nous sommes arrivés à Ikea. Nos vlogs à Ikea, vous avez grave kiffé. Du coup bah on vlog aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais. Ça fait du bien d'être à Ikea, hein. Ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas venu, n'est-ce pas? Oula, posé comme une merde. C'est quand qu'on achète un appartement? Non, une maison. Oh damn. Une maison. Ouais, c'est vrai, c'est soit une maison, soit un appartement, les gars. Une maison directement, non? Avec quel argent tu nous prêtes? Tu nous finances? Il nous faudrait 500 000 euros, s'il vous plaît. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'as dit? What plus, did you say? Moi, j'ai pas nourri, là. Moi non plus, j'ai pas encore mangé. Oh. Qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui? En fait, je cherche des trucs pour ranger ma chambre. Il est où le blanc? Il est là. D'accord. Je veux bien ça pour mon fond vidéo. Non? Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est un problème. Un problème. Donc Amélie, elle a besoin d'acheter plein de trucs. Non, elle va m'acheter plein de trucs, n'est-ce pas? J'ai besoin de nothing. Ah ouais? Et toi, tu m'achètes quoi aujourd'hui? On est blanc. Tout. Ah ouais? Ok. Il me faut un nouveau lit, un nouveau placard, un nouveau Alex. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Exactement. Un grand lit comme ça, un lit doux, mais genre. Gaëtan m'a dit, est-ce que j'accepterais de faire une pub de mycose des pieds pour 200 000 euros? Oui, 200 000, il a dit que je dois dire, enfin dans la pub, je devrais dire comme quoi j'ai des mycoses depuis un an et tout. Tu prends le personnage, tu dis que dans un an t'as des mycoses. Ah après, c'est dégueulasse. Bah non mais j'ai pas de mycose des pieds déjà. Mais pour 200 000 euros c'est beaucoup. Mais je sais pas, des mycoses des pieds quoi. La pub elle passe 3 mois à la télé. Non franchement ça va. Ouais. Sauf que c'est pas ça, c'est jouer quoi. Ils t'ont pris parce que t'as des moches pieds. Ah oui parce qu'en fait en fait j'aime pas trop mes pieds. Et du coup voilà il m'a proposé ce dilemme mais, En tout cas la meuf qui fait la pub des fuites urinaires là, je la reconnais dans la rue. Ah c'est vrai? Ah merde c'est vrai qu'il y a des fuites urinaires. Je vois pas c'est quelle pub, c'est qui la meuf, je me souviens plus. Mais bon t'imagines on te reconnaît dans la rue et on dit ah c'est la meuf des fuites urinaires. Mais bon je respecte évidemment. Amélie m'a trouvé exactement le truc que je voulais. Donc c'est en fait pour les bijoux de mon site, j'ai besoin de... Enfin, c'est tout voir. Ouais voilà. Moi qui l'ai vu. C'est un mytho. Et je crois que c'est 10 euros. Tiens achète tes chips toi. Oh non. Tu veux des chips? Des oignons. Bah bravo. Il sert mon plateau hein. Les vendre à son bête dehors. Donc on s'est pris des jus d'orange pressés. J'aime trop. Donc on a terminé de manger etc. Là on va aller aux armoiries parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. La dernière fois qu'on est venu bah il y avait plein de magasins qui fermaient. On se demande ce qu'il y a d'ouvert maintenant. Parce que le new look nous manque parce qu'il était vraiment bien. Enfin je sais pas pourquoi ils ont fermé, enfin voilà quoi. Il fait très beau comme vous pouvez voir. Il cherche toujours des trucs de pêche à chaque fois, n'est-ce pas monsieur? Il a acheté une canne la dernière fois mais on n'est toujours pas allé pêcher. Ah oui, parce qu'il pleuvait, voilà. Regardez ici vous avez des pochettes pour aller
Ouais, des pochettes imperméables, vous pouvez mettre vos portables, enfin vos téléphones et tout, mais aussi vos papiers. Et je trouve ça trop bien si vous êtes tout seul pour aller à la plage. Pas cher en plus, c'est 3€. Bah ouais, c'est combien? 3,49€. Donc Amélie, elle va en prendre un parce qu'elle part bientôt. Elle ne vous a pas dit où, secret. On est à Star Sport et le magasin, il est en déstockage, genre. Il va fermer aussi. Donc, tous les magasins, ils vont fermer. Malaise, malaise. Là, nous sommes à Maison du Monde. T'aimes bien les canapés comme ça? Ouais, et celui-là aussi. Ouais, j'avoue. C'est plutôt pas mal. Et tant, il aime bien ce canapé. Enfin, comment ce fauteuil, ce siège. Oh, moi, je veux un rose poudré comme ça. Bah, c'est beau. Et du coup, bah, ça, c'est 700€. Et ça, j'imagine même pas alors. C'est combien? 1006. Facile. 1999. 1999? 999. Ça va. Ah, bah, je préfère acheter ça. Maintenant, je suis pas prête. On va faire les youtubeuses beauté, t'as vu, mais genre on est à Truffaut et ça, ça sent archi bon. J'avais jamais senti des Yankee Candle, enfin qu'une seule, parce que t'en as qu'une toi, Amel, je crois. Moi j'en avais deux, trois. Et du coup, oh ça a l'air de sentir tout bon. Ah ouais. Moi je veux sentir celui-là. Ça c'est un peu pourri. Une passion, ok. Ouais. Je suis dubitative. Vanilla, oh. Vanille citron, vas-y, ouvre. Ça a l'air de sentir bon. Et t'as pas de force. Regarde. Ça sent. Ça sent bon quand même, non? Non. T'aimes pas? Oh, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi je veux ça. Achète-nous, Amel. Combien? 89 euros. Achète-moi. Mais non, 89 c'est la Tabata. Mais toi t'es bête, hein. Soulève en dessous. Vas-y, soulève-toi. Et si tu te casses, tu rachètes. Soulève en dessous. 39 euros. Vas-y, achète. Il a l'air d'être périmé, d'être touché par. Non, mais en vrai, je le prends pas, t'es ouf. Mais ça a pas l'air fiable, ça. Ouais, mais pour laver et tout, flemme. Hein. Je repousse les pastèques. Vas-y, toi. Ah, tiens, j'ai pas compris. Moi, je veux voir les animaux. Sous les pas. Quoi? Ok. Oui. Vous voyez ce petit hamster? Bah, c'est moi quand je dors. Il est trop zep. Amélie marche sur le tapis rouge. Nous sommes à 4. Je suis la seule à te prendre en photo. Non, mon ligne, ma picture, pour les. Tapis rouge fraise. Du rouge périmé. Un peu sale. Comme ta peau. C'est trop ça. Neuf au plat. Non, je ne veux pas. C'est la poule qui l'a fait. Mange-le, toi. Tu te crois en Asie? Avec ton haut. Je sais plus c'était où. C'est le premier magasin qu'on avait visité. Quand on a décossé grave sa mère. Ah oui, le grand magasin. Le ouais, les casiers dans. J'ai mangé du chorizo. Là là. T'abuses, t'as mangé McDo tout à l'heure. Je les ai chauffés parce que quand vous chauffez vos trucs archi gras, et ben ça enlève la graisse. Oui, mais après il faut le mettre sur un sopalin pour que ça aspire. J'avoue. Pour que ça absorbe. Ouais. C'est bon en fait. Bah c'est pour ça que tu les bouffes. C'est pour ça que c'est des bonbons. Il y a des bonbons, ils sont pas bons hein. Je rêve ta mère. Je les ai mis à l'envers. Oui, ouais. Mais il y en a beaucoup là-dedans, c'est pas des radins. C'est format familial. Pour une fois, hein. Bref, alors je vais vous raconter un peu ma vie. Mon téléphone est cassé. Voilà. Alors je vais commencer par le commencement. Hein. On va commencer par ma vie. Mm-hmm. Donc mon téléphone, mon iPhone 6S, mm-hmm. qui est devenu un iPhone 5, je sais pas. Transformé, mutation, ouais. Métamorphose. Bon, il y a quand même 5 euros derrière. Voilà. Love it. Franchement, il tient bien, hein, celui-là. Ouais, ça va, je l'ai fait tomber plein de fois lui, il s'est pas cassé. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein. T'abuses. Très solide, en plus je peux télécharger que Snapchat et Instagram. Et elle a même pas Gmail. C'est abusé. Non. Bah, j'ai plus ma boîte mail, j'ai plus rien. J'attends de réparer mon téléphone, hein, si vous voulez qu'on communique. Communique. On se garder la taille de mes mollets, quoi. Ça me dégoûte grave. J'ai gros mollets, en plus je fais que de manger, donc ça, plus je mange, plus ça rajoute. Bah ça, faut faire des efforts. Hein. Mais attends, j'ai un autre truc à dire aussi. Non mais arrête de trop manger, c'est bon. J'ai le baccalauréat. Oh. Pourquoi le baccalauréat? Ça, je sais pas s'il faut en parler, je crois que c'est tabou. Ouais, ça devient tabou cette histoire. Vous êtes déjà au courant, je l'ai pas. Voilà. Pas de surprise. Pas de potin. Et qui s'est dit de faire un œuf comme ça? Enfin, c'est pas très esthétique. Tu fais des cœurs ou tu fais des arcs-en-ciel? Ouais, pourquoi, ouais, pourquoi des œufs? Je me suis dit, pourquoi des œufs? Et en plus, le jaune, il est aussi gros que le blanc. Presque. Ouais. T'as pas compris? T'as réfléchi là? Non, mais j'ai réfléchi. Et con, celle-là? Non, mais normalement, il est censé. Ouais, t'auras pas le bac. Non, mais normalement, il est censé être plus petit le jaune, c'est ça? Oui, enfin, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont presque équivalents. On peut séparer les blancs des œufs. Ah, oh, on peut faire ça?
Non, wesh, tu crois que c'est la réalité? Non, c'est un bonbon. Ils utilisent des œufs, tu crois, pour faire ça? Non, c'est un goût de quoi en fait? Ça fait un goût d'œuf. Bah ouais, c'est un goût de quoi? De sucre? Ouais, c'est un goût de quoi en fait? Parce que normalement, les trucs, c'est censé représenter. Bah ouais. Hein? Mais c'est qui a acheté ça? C'est toi? Papa? Un dernier, c'est tout. Ok. Réfléchis. Pense à ton avenir. C'est à la cire d'abeille. Quoi? Regarde. Cire d'abeille blanche et jaune. Cire de Kamaouba. Mytho? Si, regarde. Ouh. Cire d'abeille. Et quoi d'autre? Cire jaune. C'est le truc qu'il y a dans les oreilles. Amandine, Astrid, tu te rappelles les bonbons, dents là? Ah oui, et ça c'était bon ça. Non, moi je préfère, mes préférés c'est les bonbons pêche. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez vous. Amandine, t'en as mangé combien? T'en as mangé 20 là. Quand une prochaine vidéo sur ta chaîne, on fait interview là. Ah bah j'en ai filmé une, faut que j'en monte une d'ailleurs. Comment ça, tu l'as fait une? Quoi? T'en as fait quand? C'est quelle vidéo? Avec toi, les hauls là, que j'avais fait dans ta chambre. Ah ouais, mais ça fait 2 mois qu'elle l'a fait. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut assumer ses pieds, regarde. Ah mais voilà, c'est pour ça qu'on s'est moqué aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai voulu faire comme les femmes des maris, là, tu vois, dans leur voiture, genre tu mets les pieds en l'air, comme ça. Et genre j'ai sorti mon pied nu comme ça, et il y a une meuf, elle m'a regardée. Et elle s'est foutue de ma gueule, genre elle avançait, et dès qu'elle repassait à côté de moi, elle se foutait de ma gueule, genre elle regardait et tout, et elle rigolait. Et j'avais rebaissé mon pied, tu sais, je l'ai mis 2 secondes, genre. Et genre j'étais comme ça. Ouais, t'as fait ça aussi. Vous voyez les pieds? Et ben mes pieds, ils étaient comme ça, genre j'ai fait exprès. Oups, sorry. Se foutait de ma gueule. Mais genre, c'était vraiment mesquin quand même, regardez. Genre, c'était vraiment méchant. Déjà, elle a pas à te regarder comme ça, mais bah bon, oui. Moi, s'il y a quelqu'un qui fait ça, je rigole aussi. Oui, oui. On est vendredi et je suis avec ma mère. On fait un peu de shopping pour la fête des mères. Et en fait, on est à Paris et il fait super beau, ça fait trop du bien. Il fait frais, donc ça va. On vient juste d'arriver. Regardez, les rues sont... Enfin, elles sont pas vides, mais ça va, c'est agréable de marcher quand il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. On a fait du shopping et tout, et comme il fait super chaud, on s'est dit qu'on allait se poser pour boire un truc frais, donc j'ai pris un Monaco et ma mère elle a pris un jus d'orange pressé. Il est bientôt 21h, on va dîner dans ce restaurant là. Là il y a l'Académie Nationale de Musique et là il y a le resto, mais il est trop trop beau, je vous montrerai à l'intérieur. On va faire quelques photos, histoire d'eux. Là il y a ma mère qui est juste devant, c'est pour la fête des mères. Voilà. Regardez le resto, comment il est trop beau. Genre, c'est un truc de ouf. Il est tellement stylé. Donc là, on a pris l'entrée. Donc ma mère a pris des asperges. J'ai pas filmé avant, j'ai pris des photos et tout, mais ça a l'air trop bon. Super gastronomique. Bon appétit. Je sais pas si je vous ai dit, mais moi j'ai pris des gnocchis. Avec, je sais plus comment ils appellent ça, le nom il était trop compliqué. Mais genre il y a des escargots et voilà, c'est super bon, trop bon. Donc là on a pris le plat principal. Donc moi c'est un risotto à l'encre de sèche, c'est un truc doux. Il y a du saumon, ma mère elle a pris du poisson aussi. Et ça a l'air trop bon. Je me suis trompée en fait, c'était du poulet et ça a l'air trop bon.